parti, vous êtes encore là. Et dans quelques minutes, nous serons en train de terminer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que rentrez sur la page, sur votre onglet partager. Reprenez le partage, invitez toutes les personnes qui étaient parties. Dites-leur que nous sommes en ligne, le diable est un menteur, il a échoué, l'atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Dans quelques minutes, je vais laisser au prophète Grâce, Jay, qui va couler dans l'onction. Pendant que vous êtes en train de nous rejoindre, vous êtes en train de partager. Je prie que ce soir, Dieu visite vos vies, que Dieu visite vos maisons, là où vous êtes, connectés. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Vous êtes bénis. Vos familles sont bénies. Il y a une onction prophétique qui est en train de se répandre. Merci, je vous vois encore nombreux en train de vous reconnecter. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Merci à vous tous. Vous savez, quand un culte est combattu comme ça, c'est qu'il y a des choses que l'ennemi ne voudrait pas que tu entendes. D'ailleurs, je suis en train de déclarer que vous tous qui êtes en train de me suivre maintenant, qui passez par des moments de combat, qui passez par des moments de défi, vous avez des portes devant vous qui sont fermées, que le diable a fermées, qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Je déclare maintenant que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Sa main est en mission maintenant. La puissance de Dieu est en train de se manifester. D'ailleurs, pendant que je parle, le Seigneur me montre clairement qu'il y a une personne qui est en train d'attendre une visitation de Dieu. Quand l'internet s'est coupé, je l'ai vu à genoux en train d'intercéder, de prier pour que Dieu rétablisse cette connexion, parce que cette personne voulait que Dieu puisse lui parler aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, la personne là, je suis en train de la chercher. J'entends, oh alléluia, j'entends comme Kevin, un nom comme Kevin, et c'est pas n'importe quel Kevin, c'est un Kevin Kolokota. Tu vas te connecter maintenant, dans quelques minutes, la gloire de Dieu sera sur toi, Dieu va te faire du bien. C'est ton jour, c'est ta saison, c'est le temps de ta visitation, et le temps où le ciel a décidé de te faire du bien. Donc, repartagez la vidéo, repartagez dans vos groupes, reconnectez-vous, parce que dans quelques minutes, je voudrais laisser au prophète l'opportunité de pouvoir prendre le vol comme l'aigle. J'aime cet homme, j'aime son onction, j'aime le Dieu qu'il a toujours utilisé, et dans les minutes qui viennent, je voudrais lui laisser, vous tous qui êtes en train de nous suivre sur YouTube également, Soyez bénis. Et que le Tout-Puissant Dieu fasse des merveilles dans vos vies. Hier, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a même un frère qui m'a dit que sa mère était dans un coma pendant que le prophète était en train de libérer la parole. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Prophète, je voulais te laisser le micro. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous partager avant que je te laisse couler dans l'onction? J'aimerais ici dire ceci. Merci, prophète de grâce. Oui, prophète. J'aimerais ici que le peuple de Dieu retienne une chose. Toutes les fois que le Seigneur laissait un fléau, ouais, c'est que cela annonçait un mouvement. Et le mouvement n'est rien d'autre que l'exode qui est en train de s'annoncer. Ouais. Alors, j'aimerais que plusieurs personnes comprennent ici que le mouvement qui a déjà commencé, c'est qu'il y a un réveil dans l'église et dans les nations. Ouais. En fait, je vais vous laisser le micro. Je vais vous laisser le micro. Vous serez devant votre caméra, en face. Et soyez en train de dire tout ce que Dieu vous a dit pour nous. Nous sommes ici pour écouter le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons commencé une année. Cette année a commencé avec tout ce que nous connaissons. Des défis, les gens ont prié. Il y a eu beaucoup de prières. Les gens sont entrés dans la nouvelle année en faisant des déclarations. Il y a des pandémies, il y a des secousses, il y a des combats par-ci, par-là. Mais que dit Dieu pour l'année? Voilà pourquoi, prophète, nous sommes venus ici. Nous avons nos stylos. Tous les messages que Dieu vous a donnés pour cette année, pour l'église, pour les nations, libérez-les. Et quand vous sentirez
que l'onction de Dieu est en train de couler. Prophète, il y a des milliers de personnes qui viennent de se reconnecter. Nous sommes à plus de 2000 en train de suivre, 2000 sur Facebook, nous sommes à plus de 2000 sur YouTube. Nous voulons écouter le Seigneur par le prophète Grâce. Prophète, prophétise. Prophète, dis-nous ce que Dieu t'a dit. Nous voulons recevoir. C'est pour ça que nous sommes là. Que Dieu te bénisse, prophète. Cool. Amen. Merci beaucoup, prophète. Comme j'étais en train de dire, j'aimerais ici déjà annoncer qu'il y a un mouvement qui a déjà commencé, un mouvement qui a été simplement déclenché par ce fléau, cette pandémie. Et j'aimerais dire, lorsque ce fléau est venu, il était simplement en train d'annoncer qu'un mouvement a déjà commencé. Ouais. Et ce mouvement n'est rien d'autre qu'un repositionnement du peuple de Dieu selon que le Seigneur a décidé de faire les choses en ce temps. Et donc j'aimerais ici annoncer deux choses. La première des choses, c'est qu'il y a un mouvement prophétique, il y a un mouvement de réveil très fort qui a déjà commencé dans la sphère spirituelle. Amen. Alors j'aimerais amen, dire amen. Que c'est un mouvement de réveil extraordinaire dans les nations. Et le Seigneur ici, j'aimerais le dire, est en train de repositionner son peuple. Et je m'excuse, l'Église est en train de monter afin de reprendre sa place dans les nations. Wow. Parce que l'Église de Jésus est en train de revenir à la tête des nations et particulièrement à la tête de ma nation. Et ok. J'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs personnes n'ont pas compris ce temps de confinement, mais j'aimerais le dire, le réveil n'est pas un fruit du hasard, mais c'est le fruit d'un résultat au-delà de tout, d'une vie de prière et de consécration. Ça veut dire pendant ce temps, le Seigneur voulait mettre tous ces peuples devant une vérité telle que nous ne pouvons pas nous en sortir à cause de nos moyens, à cause de l'argent, à cause de tout ce que nous avons mis en jeu. Le seul remède et le seul secours, c'est Jésus. Amen. Voilà Amen. Pourquoi plusieurs personnes devaient comprendre en ce temps qu'il était, c'était une invitation que le Seigneur nous avait lancée de revenir vers lui. Okay, et j'aimerais ici dire à plusieurs personnes que c'est le temps, je m'excuse, de donner leur vie au Seigneur et de revenir au Seigneur. Mais j'aimerais dire que ce temps de réveil qui est en train de venir sera très fort et très glorieux parce que le Seigneur est en train de susciter une génération. Le Seigneur a annoncé un nouveau départ et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans les nations. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, je vois un drapeau qui est en train de monter. C'est au sommet d'une montagne et c'est le drapeau de mon pays, de la RDC. Le Seigneur est en train de dire que dans les jours qui sont en train de venir, cette nation est en train de monter de telle sorte que les nations autour seront en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans cette nation. Yeah. Et dans les jours qui viennent, cette nation sera un site touristique parce que les hommes viendront afin de venir rencontrer le Dieu de la RDC, le Dieu que ce peuple n'a pas arrêté d'élever et d'invoquer, ça fait des années. Confirmation, prophète. Come on. Et j'aimerais ici dire, au-delà de tout, qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Je vois comme un coup de balai. Et ici, j'aimerais parler par rapport à la classe politique. Il y a un bouleversement qui est en train de se passer dans les jours qui viennent. Wow. Et le Seigneur est en train d'emmener une nouvelle génération. Le Seigneur est en train de susciter un nouveau peuple. Parce que au-delà de tout, le nom de Jésus devra entrer dans les différents... les différentes couches, si je peux parler ainsi. Mm-hmm. Ça veut dire dans la politique, on a des hommes qui vont s'attacher et élever le nom de Jésus. Mm-hmm. Dans l'économie, dans l'agriculture, ouais. Dans les différents domaines, le nom de Jésus, parce que cette nation a été longtemps dédicacée au Seigneur. Et j'aimerais ici dire que le temps de Dieu est arrivé dans cette nation. Ok. J'aimerais dire ceci, prophète, pendant que toutes ces personnes sont en train de nous suivre. Uh-huh. Certes, l'année a mal commencé, mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un signe qui est en train de venir. À partir du mois de septembre, il y a quelque chose qui sera simplement en train d'annoncer les choses que Dieu a décidé de faire dans cette nation. Et dans les 3 années qui sont en train de venir, il y a une restauration dans cette nation et il y a des choses extraordinaires. La nation va prendre de l'envol. Prophète, mois de septembre et les 3 années à venir. Come on, prophète. Le Seigneur a décidé de faire ces choses
dans cette nation. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu afin d'annoncer ces choses. Yes, il y a yes. des choses que le diable était en train de vouloir emmener, ça veut dire un chaos, emmener une destruction, mais le Seigneur est en train de me dire que ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'arriveront pas parce qu'il y a eu des paroles qui ont été libérées au début de cette année, je m'excuse. Même si cette année a mal commencé, je suis en train d'annoncer qu'il y a une paix, un calme qui est en train de venir. Et le Seigneur, au-delà de tout ce que nous sommes en train de nous attendre, voit, Dieu a décidé de surprendre plus d'une personne. Waouh. Il y a certainement ce qu'on est en train de voir avec ce gouvernement qui est déjà établi, mais dans les jours qui viennent, j'aimerais le dire, il y a certains qui vont partir et il y a d'autres que Dieu va entrer en jeu. Dieu va emmener certains qui vont entrer en jeu parce qu'il y a un mouvement qui a déjà commencé. Waouh, changement dans le gouvernement. Come on, prophète. Et alors que ces choses seront en train de s'accomplir, cela ne sera que le signe des choses que Dieu a décidé de faire dans cette nation. Au-delà de cette nation, je suis en train de voir qu'il y a des choses que Dieu est en train de vouloir faire dans ce pays. Plusieurs personnes étaient en train de s'appuyer sur les mining, plusieurs personnes étaient en train de s'appuyer sur les richesses de ce pays, mais Dieu va relever l'économie de ce pays, pas seulement passant les richesses de ce pays, les minerais, mais le Seigneur passera par l'agriculture, le Seigneur passera par une génération qu'il élevera, ça veut dire des hommes et des femmes qui vont emmener un nouveau système des emplois dans cette nation qui n'aura rien à voir avec le mining, mais qui va relever l'économie de ce pays. D'ailleurs, pendant que je parle, les jours qui sont en train de venir, on aura comme l'impression de voir une hausse, mais ça sera un semblant du dollar. Mais je le vois, il reviendra, il sera en train de chuter parce qu'il y a une stabilité économique qui est en train de venir et Dieu donnera de la valeur à notre monnaie. Okay. À cause d'une classe que Dieu est en train de susciter ici, des hommes et des femmes remplis de l'intelligence divine qui vont venir pour emmener un changement et une stabilité au niveau de la nation. Amen. Les hommes sont en train de chercher une stratégie pour que les choses aillent, mais j'aimerais dire, Dieu s'est trouvé une stratégie qui n'est rien d'autre que sa parole. Quiconque est en train de suivre cette parole et ce temps qui a été organisé, j'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu sera en train de te communiquer. Et je t'annonce que tu feras partie du prochain acteur dans cette course pour emmener une stabilité dans cette nation. Je reçois au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Et alors que je suis en train de parler ici, plusieurs personnes étaient en train de s'attendre à un massacre, à une guerre ethnique et une guerre tribale qui devait éclater dans la nation. Cette chose aura tendance à vouloir se lever dans cette nation, mais le Seigneur me dit que cela n'arrivera pas à cause des intercesseurs qu'il aura élevés dans cette nation, parce que dans les jours qui viennent, on vivra comme un seul peuple. Il y a plusieurs choses qui devaient se passer, même dans l'église de mon pays. On devait rencontrer des hommes et des femmes ayant un langage tribal. Mais le Seigneur a décidé d'arrêter cela et de remener la paix. Et nous serons en train de vivre comme un seul et même peuple. Et je suis ici en train d'annoncer que Dieu emmène l'unité dans la nation. Ouais, oui Seigneur, nous voulons cette unité. Amen. Et pendant que je suis en train de parler ici, prophète, je crois que je reviendrai sur la nation, mais je suis en train de voir quelque chose qui devait se passer en Haïti. Une catastrophe qui devait emmener un bouleversement non seulement dans ce pays-là, mais également dans la nation. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'arrêter ces choses dans le nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a des hommes qui seront en train de recevoir les paroles que je suis en train de relâcher ici et que les hommes de Dieu ont eu à déclarer ici. Je suis comme élevé en Haïti. J'ai l'impression de me retrouver sur une terre. Et la terre sur laquelle je suis en train de me trouver, je suis en train de voir un écrit en grand. Ouais. Je suis en train de voir Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Oui, prophète. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai comme l'impression de voir des avions qui n'arrivent plus à atterrir à cause de cette catastrophe, de ce que l'ennemi était en train de vouloir faire dans cette nation. Mais le Seigneur est en train de me dire, lèvons-nous afin de prier pour cette nation, parce que c'est une nation qui va également connaître un réveil
comme jamais auparavant. Okay, okay. Et d'ailleurs, pendant que je parle, je suis à l'ouest de cette ville. Il y a un lieu qu'on appelle Tabari. La ville, c'est Toussaint l'Ouverture. Non, Toussaint l'Ouverture, je vois simplement un écrit. Ou encore, okay, je vois, okay. c'est écrit. Mais je suis comme dans une ville où c'est écrit Port. Je suis en train de voir la ville, mais c'est comme si on est en train de vouloir effacer cette ville. Je crois que je suis en train de la retrouver dans mon esprit. Je disais que j'étais à l'ouest et je voyais comme une catastrophe. Mais le Seigneur me dit que cela n'arrivera pas. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un nom dans cette ville-là. Il y a quelqu'un, pendant que je suis en train de parler en Haïti, cette parole, elle est pour toi. C'est quelqu'un qui porte le nom de Dorvilus. Je vois un numéro de téléphone, plus 509. 9, en fait, 4, on y va lentement. Là, on doit l'appeler. Nous allons appeler quelqu'un qui est en Haïti. Le prophète va donner son numéro tout à l'heure. Prophète, avance. Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est une ville qui est à l'ouest de Haïti. À l'ouest de l'Haïti. Ouais. Maintenant, le numéro de téléphone. Je dis plus. Plus. 5. 0. 0. 9. 9. 9. 9. 4. 4. 8. 8. 3. 3. 4. 4. 1. 1. Plus 5, 0, 9, 9, 4, 8, 3, 4, 1. Vous qui pouvez appeler. Il y a quelqu'un qui doit recevoir une parole de la part de Dieu. Vous êtes haïtien, vous êtes en train de nous suivre. Ce message vous concerne. Dieu veut vous visiter. Come on, prophète. Cool, prophète. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de susciter et d'élever une génération. Je suis en train de voir une génération. Je suis en train de voir des gens qui sont en train d'être élevés. Okay. Pendant que je parle, lorsqu'on aura appelé ce numéro, lorsque cette personne aura répondu, cette personne reconnaîtra quelqu'un qui porte le nom de Richardson. Richardson. Esmeralda. Wow. Oreste. Wow. Junior. Wow. En fait, je vois quelqu'un qui est en train de confirmer ici que Dorvilus que vous avez cité, c'est un prophète. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des hommes qui étaient en train de prier par rapport à des choses que le Seigneur avait eu à leur dire sur ce pays-là. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il accomplira ces choses parce que les paroles qu'ils avaient eues à écouter, ils devaient se réunir encore le mois qui est en train de venir, parce qu'il devait planifier une activité au mois de juillet, mais ça devait être vers la fin du mois de juillet. Et le Seigneur me dit que les choses qu'il leur a annoncées arrivera et ces choses affecteront le pays. Je vois comme un ministère qui sera en train de monter et on sera en train de parler. Ça sera comme un groupe de jeunes gens. On sera en train de parler d'une saison apostolique et prophétique. Ok. Ça sera comme un mouvement qui sera en train de commencer. Et parmi ces personnes, il y a des gens qui avaient reçu ce message et ils confirmeront ces choses parce qu'ils devraient se réunir afin de commencer à élever des autels et des prières pour que Dieu commence non seulement à élever des hommes dans ce pays, mais que le Seigneur puisse accomplir les paroles des pères de cette terre et des hommes de Dieu qui ont eu à prier sur ce pays-là. Oui, prophète. Et pendant que je parle, la deuxième ville au-delà de l'Haïti, le Seigneur sera juste ici en face de nous, au Congo-Brazza. Le Seigneur est en train de me dire que la voix prophétique était combattue pendant longtemps, mais le Seigneur sera en train d'élever une jeune génération qui seront pratiquement des voix, mais ils auront besoin d'être enseignés, équipés, afin d'emmener non seulement un réveil, mais que la voix prophétique soit restaurée sur les terres brazzavilloises. Et dans cette nation-là. Que Dieu visite Brazzaville. Come on, prophète. Et pendant que je suis en train de parler, je sens simplement dans mon esprit de faire cette déclaration. Tous ceux qui sont de cette terre et qui sont connectés pendant ce temps, que la grâce de Dieu affecte leur vie et qu'ils reçoivent un esprit qui va ramener le réveil dans cette nation et dans les autres nations dans le nom de Jésus. Yeah. Amen. Pendant que je suis en train de parler, prophète, je ne sais pas.
mais le Seigneur me dépose fortement dans mon esprit cette parole. Je suis en train de voir quelqu'un qui porte le nom de Luboya. Luboya. Yeah. Oui, prophète. C'est pas Cynthia ou je sais pas moi. Mais j'ai comme l'impression d'être élevé à je suis comme sur les terres canadiennes. Oui, prophète, je suis en train de voir le même message. Moi aussi, je l'ai reçu le premier jour sur une personne qui s'appelle Cynthia Luboya, qui est au Canada. Et le Seigneur est en train de me dire, alors que cette personne est en train de se connecter et de recevoir ses paroles, il y a une onction qui n'affecte pas seulement sa vie, mais qui affecte aussi la vie de Joshua. Et je suis en train de voir un garçon sombre de teint comme ça, qui est aussi en train de vivre une très grande visitation. C'est le Joshua dont vous êtes en train de parler. Et le Seigneur me dit qu'il y a une onction prophétique qui est en train de quitter ce lieu et d'affecter cette personne. Yeah. Parce qu'il y avait des projets de l'ennemi de conduire la vie de cette personne de maladie en maladie. Mais le Seigneur me dit, cela n'arrivera pas parce que ce sont des choses qui ont eu à faire pleurer sa mère. Mais le Seigneur dit qu'il est en train d'arrêter cela et cette personne sera une voix que le Seigneur élèvera pour les nations. Et moi, je suis en train de voir qu'elle est en train comme elle sort comme d'une maison. Je vois un salon en bas, mais il y a comme des escaliers. Elle est en train d'aller à ce niveau élevé. Elle tombe elle-même et elle se fracture au pied gauche. Et le Seigneur me dit qu'elle doit vraiment être dans la prière. Amen. Parce qu'il y a un très grand combat à cause du fait qu'elle s'est décidée de commencer à prier pour tous les Luboya. Elle est comme dans une saison de prière. Continue, prophète. Exactement. Continue, prophète. Elle était en train de prier pour que Dieu visite sa famille. Mais il y a eu des paroles qui ont été relâchées lors de la mort du grand-père. Et c'est parmi ces choses qui sont en train d'emmener un choc entre elle et le monde des ténèbres. Mais le Seigneur me dit, comme vous êtes en train de dire, qu'elle se lève en prière et le Seigneur lui accordera la victoire. Le Seigneur est en train de lui ouvrir des portes et elle témoignera dans les jours qui sont en train de venir. Je suis en train de voir une très forte gloire pour les personnes qui sont connectées en ce moment. Le Seigneur libérait une grâce de visitation et de restauration sur la vie de plus d'une personne. Prophète, pendant que je suis en train de parler ici, est-ce qu'elle est là? La personne, elle est là? Voilà, il paraît qu'elle est en train... Elle est en jeûne depuis lundi. La personne est en train de donner sa confirmation. Cynthia Luboya, qui est en jeûne depuis lundi. Et pendant que tu es en train de dire que tu es en jeûne, je te vois le même lundi, tu as fait une prière pour le domaine professionnel. Tu as beaucoup prié pour le travail. Et même, je vois la grâce de Dieu sur un autre garçon. Pas le Joshua dont on a cité. Je vois un autre garçon qui vient de bénéficier de la même visitation de Dieu sur Joshua. Dieu vient de te faire grâce. Que Dieu te bénisse. Cool, prophète. Nous, on est là pour écouter le Seigneur ce soir. Amen, amen, amen. Yebra satara. Je suis en train de parler, prophète. Je suis en train de voir le Seigneur m'élever, mais je suis en train de voir deux choses qui devaient arriver. La première des choses, je suis en train de voir, cela est en train de concerner la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Je suis en train c'est de voir. C'est une confirmation, papa. Un mouvement qui est en train de venir et je suis en train de voir la famille qui est à la tête de cette nation être secouée fortement et cela commençait à emmener des problèmes au niveau de la nation. Et le Seigneur est en train de me dire que nous puissions élever nos voix, prier pour cette nation. Pourquoi le Seigneur est en train de parler pour ces nations-là? Parce que dans les jours qui sont en train de venir, le Seigneur est en train de faire de ce pays, de cette nation, une des voix que les autres nations seront en train d'écouter parce que le temps de la RDC est arrivé. Et alors que je suis en train de parler ici, je vois le Seigneur étendre sa main sur la Côte d'Ivoire. Et je suis en train de voir qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter à cette grâce parce qu'il devait y avoir un désordre qui devait arriver dans cette nation-là. Mais à cause des réunions que nous sommes en train de passer ici, cela arrivera mais pas au degré selon que le monde des ténèbres l'avait déjà prévu. Désordre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur est en train de me dire, alors que mon esprit est élevé, Dieu est en train de faire grâce à la terre de la Côte d'Ivoire. Et pendant que je suis en train de parler ici, prophète, je suis en train de voir une crise économique qui est en train de couvrir, je parle des nations. Et cela est en train de partir jusqu'en 2021. Okay. Mais le peuple de Dieu sera gardé parce que le Seigneur a décidé de garder ceux qui ont décidé de garder leur foi dans le Seigneur. Je suis en train de voir. Vous avez dit une crise jusqu'en 2021. Une crise économique qui est en train de frapper les nations jusqu'en 2021.
Okay. Et même le système mondial sera bousculé. Les États-Unis seront touchés. L'Europe sera touchée. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. Son peuple sera gardé. Mais au-delà de cela, après ces choses, plusieurs reviendront à Christ. Et cela sera l'un des signes du réveil que Dieu a décidé d'emmener dans les nations. Et il y a une très forte stabilité qui va revenir dans les nations. Mais on va connaître un moment comme ça. Mais le Seigneur sera au contrôle de toutes ces choses qui seront en train de se passer. En fait, je suis en train de voir des gens qui sont en train de prier en famille. Qui sont en train de prier en famille. Et là où ils sont en train de me regarder à la télévision. C'est des personnes qui sont à 5. Et je vois de manière très claire qu'il y a 3 filles et 2 garçons. Amen. Les 2 garçons sont en train de prier maintenant. Il y a même un d'eux qui est en train de dire que Dieu me connecte à la grâce de ces hommes. Mais je vois une fille qui est même proche de la télé. Elle est habillée dans un habit où c'est écrit Adidas à son polo. Amen. Qu'elle commence à confirmer ces choses avant que je libère la suite du message. Je répète, c'est une famille, ils sont à 5. Et il y a une fille qui a un polo sur lequel c'est écrit Adidas. Je voudrais lui libérer une parole de la part de Dieu. C'est des gens qui ne sont pas en République démocratique du Congo. Come on, prophète. Amen. Alors que prophète, vous êtes en train de parler, je suis comme transporté en esprit et je suis dans une maison. Mais la maison dans laquelle j'aimerais prophétiser, je suis en train de voir un homme comme Isaac Yola. Isaac Yola. Isaac Yola. Oui, prophète. Et pendant que je parle, que cette personne commence à se manifester. Je suis comme transporté en esprit et je suis dans une parcelle. Et cette parcelle-là, je vois 2 maisons. Je vois une grande maison et je vois comme il y a une petite maison. C'est comme une annexe que je suis en train de voir. Mm-hmm. Mais dans cette annexe, il y a un seul monsieur qui habite là-bas qui n'est pas marié. Mm-hmm. Et la grande maison où je suis en train de où je suis transporté, je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac. Et cette maison, c'est une nouvelle maison. Ils viennent à peine d'entrer dans cette maison-là. C'est une nouvelle maison et ce sont les premiers à entrer dans cette maison-là. Mm-hmm. Donc pendant que je parle, cette personne sera en train de se manifester. Mais je suis en train de voir que quand on entre dans la parcelle, il y a une véranda. Mm-hmm. Et avant de dépasser cette véranda, je vois un chien qu'on appelle Poppy. Le chien s'appelle Poppy. Come on, come on, come on. Et je suis en train de voir la Votre maison. Votre chien s'appelle Poppy, confirmez-nous. Come on, prof, come on. Et cette porte, elle est de couleur blanche. Ok. Lorsque vous entrez dans la maison, je suis en train de voir, il y a une salle à manger, il y a une garde à manger avec un grand miroir. Mm-hmm. Je suis en train de voir juste à côté, il y a un canapé qui est contre le mur du côté de la fenêtre de la salle à manger. Mm-hmm. Wow. Donc pendant que je suis en train de parler, j'attends simplement que cette personne se manifeste. La personne qui porte le polo Adidas, on me dit qu'elle s'appelle Ornella. Ornella Mac. Elle vient de donner ce message. Là où tu es, ma soeur, qui vient de confirmer qu'il y a un polo Ornella, c'est qui vous avez dit? Ornella Mac, qui a un polo d'Adidas. Je peux voir la puissance de Dieu s'est déversée de manière très forte sur toi. Il y a une onction prophétique qui vient de descendre sur toi. Et tel que vous êtes en famille, la gloire de Dieu vient d'éclater. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Et que Dieu commence des grandes choses dans ta vie à partir de maintenant. Come on, prophète. Yeah, je suis en train d'attendre juste que cette personne se manifeste. Je suis en train d'attendre que cette personne se manifeste. Se manifeste. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Yeah. Come on, prophète. Je suis en train d'entendre une personne qui s'appelle Ruth qui est en train de demander que Dieu puisse lui parler. Mais quand j'entends Ruth, j'entends aussi Dahlia. Mais quand j'entends Dahlia, je suis plutôt en train de voir leur frère qui a eu un problème de croissance. C'est quelqu'un qui est grand, mais qui n'a pas grandi normalement. Et cette personne qui s'appelle Ruth est en train de prier pour sa mère. Elle est en train de prier pour sa famille. Mais elle est aussi en train de prier pour son frère. Je répète, un frère qui a eu un problème de croissance. C'est quelqu'un qui a comme plusieurs noms. Comme Dahlia,
Dahlia, c'est le nom qui lui a été donné en famille. Mais après, je vois quand elle a commencé à prier, elle a commencé à s'appeler Ruth. Le Seigneur veut la visiter, elle, sa mère, mais visiter aussi leur frère qui a eu des problèmes de grandir. Je ne sais pas quelle maladie il a eu à avoir, mais Dieu est en train de le visiter maintenant. Amen. Prophète, pendant que vous êtes en train de parler, je reviendrai sur cette personne le temps qu'elle se manifeste. Je suis en train de voir un nom comme G-I-P-A-L-E. G-I-P-A-L-E. Comme j'y parle. Je suis en train de voir le Seigneur décider de visiter cette personne-là. Parce que je vois quelqu'un qui a pris le temps de prier, non pas seulement pour elle-même, mais pendant qu'elle était en train de prier, elle priait aussi pour la famille. Et je suis en train d'entendre le Seigneur me dire qu'il a décidé de faire du bien à quelqu'un qui s'appelle Josie. Josie, ouais. Ouais. Et je suis en train de voir des portes qui sont en train de s'ouvrir. C'est comme des verrous qu'on avait déjà bloqués. Et le Seigneur est en train d'ouvrir cela. Ok. Et le Seigneur est en train de me dire, à cause de la prière de cette personne, Dieu a décidé de visiter également deux personnes, Rosette et Yvette. Ok. 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 Wow. Wow. Rosette est née au mois d'août. Et Yvette est née au mois de mars. Je suis en train de voir des bouteilles qui sont en train de se casser et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de libérer les mariages et en train de bénir les mariages de cette famille-là. Josie est en train de confirmer, elle vient de dire Amen, Amen, Amen. Alors qu'elle est en train de dire Amen, je suis en train de voir qu'elle est en train de monter les escaliers et le Seigneur me dit qu'il a décidé de la bénir fortement financièrement et je vois quelqu'un que Dieu va emmener dans les nations à cause de l'onction qui est en train de couler ici. Et pendant que je parle, je vois un groupe de jeunes gens. Je vois un groupe de jeunes gens, ils sont assis sur une mousse, mais en train de dire à Dieu que les choses qui sont en train d'être dites maintenant s'attachent à nous. Je commence par Dimer, cette grâce est en train de l'affecter. Je parle de Jadot, je dis cette grâce est en train de l'affecter. Je suis en train de voir des gens qui sont en train de soupirer et de désirer ces choses. Et je suis en train de voir que parmi eux, il y a quelqu'un qui va faire un rêve la nuit d'aujourd'hui. Et cette personne s'appelle René. Et ce rêve sera simplement en train d'annoncer quelque chose qui va arriver dans les 3 mois dans cette nation. Et cette personne vous écrira. Parce que Dieu passera par elle pour lui donner un message. Parce que quand je parle de cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Peniel. Je vais essayer d'aller lentement. Cette personne s'appelle Peniel et elle a fait cette personne a eu à faire un rêve hier soir. Alors qu'elle était en train de prier, elle a eu à faire un rêve et dans ce rêve, elle vous a vu. Elle a eu à voir le prophète Francis et elle était en train de voir le chiffre 21 et c'est comme si ce chiffre s'attachait à une horloge. Mais le Seigneur était en train de me dire ceci. À cause de ce que cette personne avait eu à voir dans les 21 jours qui sont en train de venir. Cette personne est aussi en train de se manifester dans les 21 jours qui sont en train de venir. Dieu est en train de briser un combat de mariage qu'il y avait non seulement sur sa vie mais également sur sa famille parce qu'il priait pour sa sœur. Je suis en train de voir quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et le Seigneur est en train de me dire, cette personne est en train de se manifester. Cette personne a eu à faire un rêve dans ce sens-là. Et Dieu est en train de me dire, au-delà de ce combat que Dieu est en train de briser sur sa famille, il y a une grâce qui aimerait affecter sa vie. Mais le Seigneur est en train de demander à cette personne de doubler sa consécration et d'organiser un moment de prière pendant 3 jours. Pendant que nous sommes en train de prier, prophète, je peux voir de manière claire. Il y a un pasteur qui est en prière maintenant, qui est en train de passer par des moments très difficiles. Il est en Côte d'Ivoire pour le moment. Et je suis en train de voir le même bleu que je vois sous ton pantalon. Je le vois sur ses habits maintenant. Et cette personne s'appelle Jérémie. Il s'appelle Jérémie. C'est un pasteur. Je répète, il s'appelle Jérémie. Jérémie, mais avec un nom comme K-O-N-A-M. Ça fait comme Jérémie Konan ou Komam, quelque chose comme ça. Mais cette personne vient de traverser un moment très difficile avec sa famille et un moment très difficile dans le ministère. Je le vois avec du bleu. Et la gloire de Dieu vient d'éclater sur sa vie pendant que je suis en train de parler.
Il est en Côte d'Ivoire, traversant un moment très difficile, mais la gloire de Dieu s'élève sur toi et Dieu a décidé de te faire du bien. Je voudrais qu'on prie, prophète. Je voudrais qu'on prie. On va prier pour, les nations. Vous avez cité la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses merveilleuses que Dieu va faire et beaucoup de combats. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier pour Brazzaville. Nous sommes ici pour aussi faire la sentinelle des nations. Nous allons prier pour Brazzaville, pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Haïti. Nous allons prier pour la Grande-Bretagne. Voilà les nations que vous avez dites. Nous allons aussi prier pour la délivrance des familles. Que les familles soient délivrées, que les gens vivent la gloire de Dieu, qu'ils voient des grands changements dans leur vie. Nous allons prier pendant quelques minutes avant que nous ne puissions désannoncer. Toutes les personnes qui ont été citées, toutes les personnes qui ont reçu des paroles claires, vous pouvez commencer à nous envoyer les confirmations. Écrivez-moi maintenant et confirmez ça maintenant. Peut-être qu'il y a des suites que l'homme de Dieu voudrait dire. Prophète, c'est possible que nous puissions prier. Prenons un temps. Prophète Josué, prophète Grâce, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour les nations. Prions. Père, nous prions pour la République démocratique du Congo, le président de la République. Nous prions pour son gouvernement. Prions pour le Premier ministre. Nous prions pour l'armée, la police, les services de sécurité. Nous prions pour que les bonnes choses dans cette nation s'accomplissent. Nous prions pour que les mauvaises choses s'éloignent au nom de Jésus. Que la nation soit visitée. Père, nous t'avons écouté, mais nous prions. Nous voulons dire que certaines choses n'arrivent pas. Je prie pour Haïti. Épargne Haïti des mauvaises choses, mais lève-toi, ô Dieu, pour visiter Haïti au nom de Jésus. Emmène un réveil. Brise le vaudou. Brise le vaudou. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Père, pendant ce moment électoral, garde-les, que les désordres qui étaient prévus par l'ennemi n'arrivent pas au nom de Jésus. Je suis en train d'élever auprès de toi la Grande-Bretagne. Mets ta main sur la Grande-Bretagne, cette nation qui à un certain moment a fait partie des nations qui ont emmené le réveil. Mon Dieu, manifeste-toi. Je prie pour Alléluia. Je suis en train de prier pour Brazzaville. Que la gloire de Dieu se lève. Que la gloire de Dieu se lève. Lève-toi dans nos familles. Accorde la délivrance. Accorde la délivrance. Accorde la délivrance. Et veille visiter tes enfants. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Père, merci, nous avons voulu t'écouter. Permets que toutes les bonnes paroles que tu as dites s'accomplissent. Permets que toutes les choses qui sont prévues par l'ennemi n'arrivent pas. Au nom de Jésus, amen. J'ai beaucoup aimé quelque chose qu'a dit le prophète. Le Seigneur a permis cette maladie pour que plusieurs puissent revenir à lui. Bien-aimé, tu es en train de vivre, tu es loin de Dieu. Tu es en train de vivre dans le péché, tu vis loin du Seigneur. Il y a un message particulier que Dieu te donne. Reviens à la maison, reviens dans sa maison. Reviens auprès de Dieu, donne-lui ta vie. Prophète, je vais te donner la parole pour que tu dises deux, trois choses que Dieu te met à cœur avant que je puisse désannoncer notre émission. Come on, prophète. J'aimerais, avant de dire ces deux choses, j'aimerais finir pour dire, il y a la personne qu'on était en train de chercher là. Il y a des personnes qui sont certainement en ligne, yeah, qui venaient de confirmer. Et cette personne là dont je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui a eu un long moment de cassure avec son père, près de 8 ans. Mm-hmm. Et il y a quelques jours en arrière où ils ont essayé de renouer la relation. Et le Seigneur est en train de me dire, à cause de ces jeûnes, ces consécrations, Dieu a décidé de le visiter, de le bénir et de faire de lui une bénédiction pour sa famille. En fait, on m'envoie une confirmation. La personne dont le chien s'appelle Poppy est en ligne. Le prophète Dovilus, je crois, hein, si j'ai bien prononcé, il est également en ligne. Si vous pouvez libérer les paroles prophétiques qui les concernent, et nous allons commencer à terminer. Come on, prophète. Voilà, comme je disais, je vais commencer par la personne dont j'étais en train de parler sur le chien. Je disais, à cause de ces moments, de ces prières, c'est quelqu'un qui prend le temps de jeûner et le Seigneur dit que les jeûnes qu'il a toujours eu à faire ne sont pas vains. Et le Seigneur a décidé de récompenser
cette soif qu'il a de chercher le Seigneur. Je suis en train de voir Dieu décider de le bénir et Dieu décider de bénir également la maison dans laquelle il habite, dans laquelle il est en train de vivre. Parce que ce chien-là, il n'y a pas très longtemps, ce chien venait de mettre bas et on lui avait demandé, parce que c'est un chien de race, on lui avait demandé de vendre ces chiots-là. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, ça a voulu créer des problèmes. Le Seigneur est en train de me dire, cela devait emmener un certain froid et beaucoup de combats, une succession de combats. Mais le Seigneur est en train de me dire, à cause de ton amour, à cause de la prière, à cause des prières également de Sarah, Dieu a décidé de vous visiter, de visiter cette maison-là. Et pendant que je parle, je suis en train de voir que cette maison est remplie de plusieurs choses. Parce que je me vois traverser le salon, je vais dans un couloir et je vois la première porte. On a déjà consacré cette porte aux visiteurs. C'est comme une chambre haute et en face, il y a les installations. Et je vois après sa chambre dans laquelle il passe nuit avec quelqu'un qui s'appelle Chris. Chris Kaboui. Je suis en train de voir des jeunes gens assoiffés, mais ce Chris-là, quelquefois on l'appelle maître. Le Seigneur me dit que dans sa fidélité, il a décidé de vous visiter. Il a décidé de vous faire du bien à cause de votre amour et surtout à cause de ces longs moments de jeûne. Mais surtout, le Seigneur me dit, restez soumis à l'autorité qu'il a eu à placer au-dessus de vous. J'aimerais ici parler au prophète. Vous avez dit le prophète Dorvilus, quelque chose comme ça. Comment? Je suis en Haïti. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu a décidé de visiter. Le Seigneur a décidé de le visiter et de faire de lui une voix dans cette nation-là. Mais le Seigneur me dit ceci, qu'il y a des temps qui sont en train de venir, qui sembleront être difficiles pour lui, non pas seulement pour lui. Il y a une génération des noms que j'ai eu à citer, Je crois que j'ai parlé de Junior, j'ai eu à parler de Esmeralda, j'ai eu à parler Richardson, quelque chose comme ça. Je suis en train de voir des gens que Dieu est en train d'attendre dans un moment de retraite, parce qu'il y a une pensée que le Seigneur a eu à déposer dans leur esprit. Et je voyais une prochaine réunion qu'ils devaient avoir au mois de juin, mais pour une activité au mois de juillet vers la fin. Et le Seigneur est en train de dire les choses qu'il a eu à déposer dans leur cœur, les paroles qu'il a eu à leur adresser va s'accomplir. Et je suis en train de voir qu'en cette fin d'année, Dieu sera en train de faire des choses extraordinaires avec lui. Et je suis en train de voir un mouvement qui va commencer vers Tabaré 27. Ils appellent ça, je crois, Tabaré 27. C'est, je suis dans l'arrondissement Port-au-Prince. Je suis vers l'ouest. Je suis en train de voir un mouvement qui est en train de commencer également à cause d'une offrande qu'il a eu à faire de ce côté-là. Mais je suis en train de voir une prière qu'il a eu à élever, parce que non loin de là, il y a comme un cabinet dentaire où il y avait eu des autels de monde des ténèbres qui avaient été élevés. Mais à cause de ces offrandes, le Seigneur était en train de briser les autels qui avaient été élevés là. Et le Seigneur est en train de me dire, il a décidé de briser les autels qui ont été élevés dans les nations, et particulièrement dans cette nation. Il y aura plusieurs successions de personnes comme ça qui partiront, parce qu'ils avaient voulu livrer cette nation entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Le Seigneur dit, le temps où ces personnes seront déracinées est arrivé, et c'est la même chose qui va commencer à se produire dans les autres nations à cause des autels de prière et des autels que plusieurs bâtiront. Et j'aimerais dire au prophète en Haïti que le Seigneur est en train de l'attendre pendant un programme de prière de 2 jours. Et alors que prophète, vous êtes en train de dire, le Seigneur me dit qu'il est en train de visiter quelqu'un qui s'appelle Danny Kaboué. Et cette personne était habillée en chemise bleue aujourd'hui, et elle est en chemise bleue, pantalon noir. Elle avait déjà mis des espadrilles comme des mocassins bleus. Mais alors que je parle, elle est pieds nus en train de nous suivre. Et le Seigneur me dit, à cause de cette connexion, il y a quelqu'un qui s'appelle Ange. Ange avait un combat qui n'est pas lié à l'argent, pas lié au voyage, mais lié à la maternité. Et le Seigneur me dit, plusieurs personnes qui sont connectées maintenant, Dieu est en train de leur accorder une victoire en matière de maternité. Il y a plusieurs personnes qui vous écriront et qui témoigneront, parce que le mois prochain, elles auront conçu alors que ça a été des combats de plusieurs mois.
ainsi parle le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Un culte merveilleux. Nous avons été bénis. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Peut-être qu'il y a, on me dit déjà qu'il y a une certaine Kevin Kolokota qui est en train de confirmer ces choses. Le Seigneur a décidé de te visiter. Je vois une très grande visitation dans votre maison. Je ne sais pas si vous êtes célibataire ou vous êtes marié, mais je vois dans votre maison la main de Dieu s'est levée et Dieu me dit pendant que je parle qu'il vient d'essuyer vos larmes. Un culte extraordinaire. Plusieurs personnes vont nous écrire. Je comprends pourquoi est-ce que le diable a voulu que le réseau soit difficile. Le diable a voulu que nous soyons combattus. Ça a été un culte extraordinaire. Soyez bénis. Vous voulez être en contact avec nous. Vous voulez semer dans nos ministères. Vous voulez pouvoir semer et être bénis par le Seigneur. N'oubliez pas de rentrer en contact avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Demain à la même heure, nous allons être nombreux encore devant la face de Dieu pour écouter le Seigneur avec un homme extraordinaire. Soyez bénis, que vos maisons soient bénies, que votre travail soit béni, que vos familles soient bénies et que rien ne reste le même dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes, dites trois fois Amen, Amen, Amen.